Et c'est l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités Prophétiques. Eh bien, depuis le début de cette cinquième saison, nous sommes en train de parler au sujet des paroles prophétiques qui ont été données par jean Jacob sur ses douze fils, lesquels, évidemment, sont devenus les douze tribus d'Israël. Et nous parlons également de ces prophéties que Moïse a données. Alors Jacob, alors qu'il était tout près de mourir, a réuni ses douze fils et à chacun, il leur a donné une parole prophétique. Qui s'est accompli exactement comme elle avait été donnée pour chacun de ces fils-là. Et plus tard, Moïse, évidemment, a béni également les douze tribus d'Israël, alors qu'ils ils ont voyagé dans ce désert pendant de nombreuses années, une quarantaine d'années, dans le désert à compter de l'Égypte pour se rendre justement dans le pays promis, le pays de Canaan. Et alors que Moïse était à la fin, de son voyage, il était dans la plaine de Moab. Moab, c'est la partie centrale de ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie. Alors le nord, c'est Amman, au centre, c'est Moab, et au sud de la Jordanie, c'est le territoire d'Édon. Et dans cette partie centrale de la Jordanie moderne, à l'époque, c'était Moab, comme j'ai mentionné. Et dans la plaine de Moab, à la fin de sa vie, la fin de son voyage, Dieu a parlé à Moïse et il lui a dicté un cantique qu'il devait apprendre à Israël. Parce que Dieu d'avance savait, et il l'a même mentionné dans ce passage de l'Écriture, dans le livre du Deutéronome, euh, que une fois Israël entré dans le pays de Canaan, Bien sûr, ils ne resteraient pas fidèles à l'Éternel, mais ils serviraient d'autres dieux, deviendraient idolâtres. Et Dieu a dit à Moïse euh, « Fais-leur apprendre ce cantique que je te donne, et ils pourront, lorsqu'ils le chanteront, euh, revenir à moi à cause des paroles qui sont écrites dans ce cantique-là. » Alors, Moïse a écrit ce cantique que Dieu lui a donné, l'a transmis au peuple d'Israël, l'a appris aux douze tribus d'Israël. Et puis il a prononcé des bénédictions, des paroles prophétiques sur euh, justement les douze fils de jean cam les douze tribus d'Israël. Puis Dieu lui a demandé de monter au sommet du mont Nebo. Il a vu le pays de Canaan, mais n'a pu y entrer. Et c'est là que Moïse est mort. Alors nous sommes en train d'étudier ces paroles prophétiques qui ont été données par jean cam et qui ont été donnés également par Moïse sur ces douze tribus d'Israël. Et nous sommes rendus à la tribu de Hazard. Et nous lisons ceci concernant la naissance d'Hazar dans le livre de la Genèse, bien sûr, dans le 30 chapitre. Les versets 12 et le verset 13 vont comme ceci. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à jean -Cabre. Et Léa dit Je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Azer était le huitième fils de Jacob et le deuxième fils de Léa, son premier étant Gad, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, dans le, verset 35 et au verset, dans le chapitre 35 plutôt, et au verset 26. Son nom, le nom Azer, signifie heureux. Et non seulement le, le, le mot signifie heureux, mais le prophète Manachi avait déjà prophétisé qu'un jour tout Israël serait heureux. Dans cette prophétie, troisième chapitre, verset 12, il a dit ceci, et les nations, parlant d'Israël, les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, désormais. Alors voilà, Hazar, sa bannière. Sur sa bannière, c'était un olivier. Euh, car son territoire était reconnu justement pour la qualité de ses oliviers et bien sûr pour l'huile d'olive euh, qu'on tirait de ces oliviers-là. Sa pierre caractéristique, c'était une agate. Euh, il y a des agates de différentes couleurs, peut-être vert, noir ou brune. Et c'était la deuxième pierre de la troisième rangée depuis la gauche sur le pectoral du souverain sacrificateur. On se rappelle que sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait ces douze pierres qui représentaient les douze tribus d'Israël. Et son territoire, euh, qu'il a hérité en Canaan, dans le pays de Canaan, est mentionné dans le livre de Josué. 19e chapitre à compter du verset 24. Et il était situé euh, tout le long de la mer Méditerranée vers le haut du pays d'Israël, vers le nord euh, du pays. Et c'était vraiment un très, très beau territoire le long de cette mer. Et ses limites étaient au nord le Liban, à l'est c'était la tribu de Neftali, au sud la tribu de Zabulon et à l'ouest bien sûr la mer Méditerranée. Dans Josué chapitre 19, des versets 24, encore une fois, jusqu'à 31, nous lisons que 22 villes leur furent allouées, mais comme nous lisons également dans le livre des juges, dans le premier chapitre, versets 31 et 32, euh, plusieurs de ces villes n'ont jamais été conquises par la tribu d'Azer, notamment la région de Hako jusqu'à Sidon euh, n'ont jamais été euh, conquises par... Et encore une fois, Josué, un peu plus tard, a dû euh, parler fortement à Israël pour leur dire, jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du bon pays que Dieu vous a donné? En héritage. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques, sont diffusées un peu partout sur cette planète, et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète, et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 dollars, j'aimerais vous donner ce coffret un nouvel enseignement. Deux DVD dont le titre est Le Cri de minuit. C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum $50 à pain de vie aujourd'hui Alors Hazar n'a pas pris pleine possession de son territoire, mais il a laissé les habitants d'Akko, de Tyr et Sidon vivre avec eux. Et c'est devenu un piège encore une fois, parce que c'est ça la leçon, lorsque nous faisons des compromis avec l'ennemi, ben nous lui permettons d'agir contre nous. Et nous le réalisons encore une fois ici, puisque c'est la région d'où euh, Jézabel est venue. Euh, Jézabel, on sait qu'elle avait épousé Akab, qui était un des pires rois qui a régné sur Israël. Et tout le mal que Jézabel a fait, encore une fois, à Israël un peu plus tard, ben, c'est parce qu'on a fait un compromis et on a laissé les habitants de cette région-là vivre avec la tribu d'Azer. Euh, non seulement. Nous permettons à l'ennemi d'agir contre nous, mais c'était aussi le chanteau fort de ces fameux faux prophètes de Baal et d'Astarté euh, vers lesquels Élie a été envoyé plus tard et a fait, comme on sait, descendre le feu du ciel pour exterminer plusieurs de ces faux prophètes-là. Alors, c'est parce qu'Azer n'a pas pris possession de son territoire, n'a pas chassé les habitants comme l'éternel avait ordonné aux douze tribus de faire et à cause de cela, encore une fois, c'est devenu un piège pour Israël. Voici ce que jean a prophétisé sur Hazar. c'est dans Genèse chapitre 49, à compter du 20e verset. Ça dit ceci Hazar produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Alors nous savons qu'à l'époque, Salomon avait douze intendants. Un par tribu, afin de pourvoir aux besoins de sa maison. Et dans le premier roi, le chapitre 4 et au verset 7, nous lisons ceci Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Et au verset 27, nous lisons ceci Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Et la tribu d'Azer avait un accès spécial auprès de la royauté. Et c'est la raison pour laquelle Lucifer n'avait pas cette pierre-là qui était destinée à hasard sur son pectoral. Nous apprenons, et on en a parlé déjà dans des saisons précédentes des émissions de télévision, les actualités prophétiques, comment autrefois il y avait ce chérubin protecteur aux ailes déployées qui s'appelait Lucifer. Et il était très haut en dignité parmi euh, les trois seuls noms d'archanges ou de chérubins que nous avons dans la parole de Dieu. Euh, Celui-ci, c'était euh, probablement celui qui avait une position la plus élevée, une position supérieure. Et il était comme un peu le souverain sacrificateur terrestre qui sera établi plus tard lorsque le tabernacle et le temple euh, euh, seront construits, puisqu'il avait. Euh, sur son, sa poitrine, son pectoral, lui aussi, des pierres précieuses, tout comme le souverain sacrificateur dans le tabernacle et dans le temple terrestre aurait, avec lui, douze pierres, mais Lucifer n'avait que neuf pierres plutôt que douze pierres, parce que les trois pierres qui lui manquaient, ben, c'était des pierres dont la signification, euh, dont lui-même Lucifer n'était pas capable d'accomplir la signification, si vous voulez, de ces pierres-là. Ces pierres étaient la pierre qui représentait la tribu d'Asher, la pierre qui représentait la tribu d'Isaac et la pierre qui représentait la tribu de Gan. Pourquoi Ben parce que la pierre qui représentait Aser, ça lui permettait d'avoir un accès particulier, spécial à la royauté, comme un peu nous venons de lire dans la prophétie que jean avait donnée à Aser. Et évidemment, Lucifer n'aura jamais accès à la royauté. L'autre pierre qui représentait la tribu d'Isaac, euh, ça signifiait porter le fardeau. Et voilà une autre chose. Euh, dont Lucifer n'était pas capable de porter les fardeaux, c'est plutôt lui qui donne des fardeaux aux gens. Et la troisième pierre, celle qui représentait la tribu de Gan, euh, la signification de cette tribu-là, de cette pierre, c'était être vainqueur. Et voilà une autre chose que Lucifer ne pouvait pas accomplir non plus, être vainqueur, puisque sa destination finale éternelle, c'est l'étang de feu à tout jamais. Alors Aser avait un accès particulier à la royauté, et puis ça représentait évidemment euh, ces mets succulents que la tribu d'Aser était capable de préparer pour la table de Salomon. Et en même temps, nous réalisons euh, que le premier hum, péché, si vous voulez, n'a pas été commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais il a été commis au ciel par cet archange ou ce chérubin plutôt aux ailes déployées qui avait comme mission de protéger la gloire et la sainteté de Dieu et en même temps puisque son corps était rempli d'instruments de musique, on peut comprendre facilement qu'il dirigeait la louange et l'adoration vers le Dieu créateur là-haut dans le ciel. Mais un jour le péché a été trouvé chez lui, il a été précipité en de saint demeure de ce nom là Lucifer qui signifie astre lumineux il est devenu satan qui signifie l'accusateur celui qui accuse les enfants de Dieu il a été précipité de sa haute position et désormais c'est lui qui est le tentateur mais un jour il sera jugé finalement et jeté dans l'étang de feu pour toujours nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la cinquième saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est Les paroles prophétiques sur les douze tribus d'Israël. Un coffret contenant douze DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette cinquième saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les douze tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les douze fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette cinquième saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Regardons maintenant à la parole que Moïse a prononcée sur la tribu d'Azer, et nous trouvons cette parole dans le livre du Deutéronome, dans le 33e chapitre, versets 24 et versets 25. Nous lisons ceci. Sur Azer, il dit Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que que jours. Alors, déjà, il y a une parole de bénédiction qu'il soit béni entre les frères d'Israël. Bien, évidemment, il y a déjà une grande bénédiction euh, qui a été donnée à la tribu d'Azère, puisque lorsqu'ils étaient au désert, au désert, ils étaient euh, 46 000 hommes. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Canaan, bien, ils n'ont ont pas perdu, puisqu'ils étaient 53 000 hommes lorsqu'ils ont pénétré dans le territoire promis par Dieu. Il dit que son pied euh, plonge dans l'huile. Certains y ont vu une prophétie concernant l'huile, le pétrole, dans son territoire. Et il y a même une compagnie américaine qui a fait beaucoup de forages dans le territoire d'Azer, basée sur cette parole-là. Que Moïse a prononcé sur la tribu d'Azer, mais sans obtenir de résultat, du moins jusqu'à présent, il euh, n'y a pas d'huile qui est sortie du territoire de Dazaire. Mais euh, évidemment, c'est beaucoup plus une question d'huile d'olive qu'une question de pétrole lorsque Moïse a prononcé cette parole, parce qu'encore une fois, son territoire était reconnu pour la qualité de ses oliviers. On a dit en début d'émission, que son territoire était vers le nord d'Israël. Magnifique territoire, parce qu'il était situé le long de la mer Méditerranée jusqu'au nord complètement, euh, dont la limite au nord était le Liban. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'oliviers dans cette région-là qui produisait beaucoup d'huile d'olive. Et le territoire était réputé justement à cause de sa qualité d'huile d'olive qu'il pouvait fournir à cette époque-là. D'ailleurs, un des descendants d'Azer s'appelait Birzevit, qui signifie puits d'olive, comme nous le lisons dans 1er chronique, le 7e chapitre et au verset 31. L'huile d'olive était précieuse dans l'Ancien Testament parce qu'on s'en servait surtout, bien sûr, pour l'huile sainte, composition d'huile sainte, dont nous avons la, les, les ingrédients qui composaient cette huile dans le livre d'Exode, dans le 30e chapitre, au verset 22 jusqu'au verset 25. Il y avait cinq ingrédients de base qui formait cette huile dont on se servait pour oindre les rois et pour le service dans le temple à Jérusalem. Premier ingrédient, bien sûr, c'était la myrrhe, le cinnamon aromatique, le roseau aromatique, la canne et l'huile d'olive. Mais dans le verset suivant, ça nous dit que ces cinq ingrédients de base étaient mélangés selon l'art du parfumeur de l'époque. Et nous apprenons que les parfumeurs à l'époque il ajoutait une autre huile qui provenait d'un arbre qui s'appelait des balsamiers et qui poussait surtout dans la région d'Engedi. Et on disait que cette huile de balsamiers était tellement pure qu'elle n'avait même pas besoin d'être raffinée. Et on raconte que Cléopâtre faisait venir cette huile-là d'Israël jusqu'en Égypte à cause de sa grande qualité. Et on apprend dans les écrits juifs. Que les parfumeurs de l'époque y ajoutaient cette huile de balsamier dans ces cinq ingrédients de base. Et vous savez, il y a plus, quelques années déjà, à Kumram, lorsqu'on a fait les fameuses découvertes, les manuscrits de la mer Morte, on a découvert un flacon d'huile, qui datait de l'époque du Deuxième Temple à Jérusalem. Et après analyse, on s'est rendu compte que non seulement il y avait les cinq ingrédients de base, comme je viens de mentionner dans ce flacon d'huile, mais il y avait aussi l'huile de balsamier qui n'existait plus en Israël parce que lorsque les Romains ont combattu Israël et on a pressenti qu'ils étaient pour détruire le temple, on a brûlé les deux seuls bosquets de balsamiers qui existaient à Gedi Et depuis cette époque-là, ben, cette huile était très difficile à trouver. Et d'ailleurs, il y a quelques années encore une fois, on a fait une fouille archéologique dans le territoire d'Engedi et on a retrouvé une pierre sur laquelle était inscrite cette parole malheur à celui qui dévoilera le secret du village voulant dire que ce n'était qu'à Engedi qu'on pouvait retrouver cette huile de balsamier qu'on ajoutait à cette huile sainte qui était une huile très précieuse parce que on l'utilisait exclusivement pour euh, le service dans le, tem le temple à Jérusalem et on s'en servait pour euh, le couronnement des rois aussi en Israël. Bien sûr, l'onction du Saint-Esprit euh, est représentée par l'huile d'olive. L'huile d'olive représente l'onction du Saint-Esprit. Et le Seigneur, bien sûr, euh, nous a fait comprendre par différentes paraboles, différents enseignements qu'il a donnés, comment cette onction est précieuse et utile. Euh, notamment dans Matthieu chapitre 25, justement, on a fait un enregistrement récemment qui s'appelait le cri de minuit. Et qui parlait au sujet de ces dix vierges, et soudainement, on a dit, voici l'époux aller à sa rencontre, et cinq étaient prêtes, cinq n'étaient pas prêtes, et la différence entre les deux, c'est que celles qui n'étaient pas prêtes n'avaient plus d'huile, n'avaient plus d'huile plutôt dans leur vase. Alors l'huile représente notre consécration au Seigneur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors dans la Bible, l'huile représente l'onction du Saint-Esprit, représente aussi notre consécration au Seigneur. Et c'est comme quelque chose de mystérieux, l'onction, parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir de nos yeux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher avec nos mains, mais par contre, on sait quand elle est là. C'est un peu comme le vin, euh, on ne peut pas le voir de nos yeux. On ne peut pas le toucher avec nos mains, mais on sait lorsque le vent est là. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit, c'était comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Et l'onction, c'est la même chose. On ne sait exactement d'où ça vient, où elle se dirige, mais on sait lorsque l'onction est là. C'est un, en fait, c'est un revêtement de puissance euh, que Dieu accorde à ses serviteurs. Et ça leur permet d'accomplir des choses qui autrement euh, seraient impossibles à accomplir. En fait, lorsque l'onction du Saint-Esprit est accordée à quelqu'un, il est capable d'accomplir des choses vraiment très spéciales, des choses extraordinaires. Et de toute façon, lorsque Dieu appelle quelqu'un, nécessairement, obligatoirement, il donne son onction à cette personne-là pour la rendre capable d'accomplir ce qu'il lui demande d'accomplir. Euh, on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. On a des exemples dans l'Ancien Testament de gens qui ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit. On a des exemples aussi dans le Nouveau Testament. Et euh, on a vu des gens accomplir des exploits extraordinaires tout simplement parce que l'onction du Saint-Esprit était sur eux. Un exemple frappant, c'est Samson dans l'Ancien Testament. Alors si vous lisez les exploits que cet homme a fait, ben, C'est au-dessus des capacités naturelles. Il a, par exemple, déchiré un lion avec ses propres mains et mains nues. Il a, il a pris la porte de la ville de Gaza sur ses épaules pour sortir de Gaza. Et plusieurs autres exploits dont nous lisons le récit dans l'Ancien Testament que Samson a fait et qui sont impossibles à accomplir humainement parlant. Mais il a été capable de le faire parce que l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, a déclaré ceci lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi. Il a dit, l'onction du Seigneur est sur moi, afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et ainsi de suite. Alors, si Jésus avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir son ministère, à plus forte raison, nous avons besoin également de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. De toute façon, euh, c'est facile à discerner, facile à voir. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui opère quelque chose, qui fonctionne sous l'onction du Saint-Esprit, et une autre personne qui n'opère pas sous l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir dans une réunion d'église des chanteurs différents qui viennent chanter. Certains chantent avec l'onction du Saint-Esprit, d'autres ne chantent qu'avec leur talent. Et vous pouvez voir la différence. Même chose pour les prédicateurs. Certaines personnes prêchent avec l'onction du Saint-Esprit, d'autres personnes prêchent sans l'onction du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la même chose. Euh, en réalité, lorsqu'une personne opère sous l'onction du Saint-Esprit, il va toucher le cœur des gens. Et si une personne fait quelque chose qui n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit, il s'adresse uniquement à l'intellect humain. Bon ça peut ça peut satisfaire l'intelligence des gens, mais ça transforme pas les vies. C'est lorsque la parole ou le chant touche ton cœur qu'il y a une transformation. Alors c'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit est primordiale. Et de toute façon, si vraiment c'est un appel de Dieu, l'onction vient automatiquement avec l'appel que Dieu donne à une personne. Vous avez des exemples aussi dans l'Ancien Testament de deux rois, un qui opérait sous l'onction du Saint-Esprit et un deuxième qui n'opérait pas sous l'onction du Saint-Esprit. Le premier, bien sûr, c'est David et le deuxième, c'est Saül. Saül n'opérait pas sous l'onction du Saint-Esprit. Tandis que David fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans le jargon biblique, on appelle Saül un roi de tête et d'épaule, parce qu'il était beaucoup plus physique, intellectuel, que David qui touchait le cœur des gens. Et prophétiquement, c'était déjà prévu, parce que, vous savez, c'est Samuel, le prophète Samuel, qui a oint les deux rois, qui a oint Saül et qui a oint dans vide, mais nous lisons dans 1 Samuel, le 10e chapitre et le verset 1, que Samuel a oint Saül avec une fiole d'huile, tandis que dans 1 Samuel, chapitre 16 et le verset 13, nous lisons que le même prophète Samuel a oint David, mais cette fois-là avec une corne. Donc le premier a été oint avec une fiole d'huile. Le deuxième a été oint avec une corne d'huile. Vous vous dites, quelle est la différence? Bien, une fiole, c'est la fabrication de l'homme, tandis que la corne vient d'un animal, fabrication, création de Dieu. Alors, beaucoup de gens essaient par leurs propres moyens d'imiter l'onction du Seigneur, mais ça ne fonctionne pas parce que ça reste dans le domaine charnel, ça reste dans le domaine intellectuel, et quand ça reste dans ces domaines-là, il n'y a pas de vie qui soit transformé. Mais lorsqu'on opère vraiment sous la véritable onction du Saint-Esprit, il y a beaucoup de résultats et les vies des gens auxquels nous nous adressons sont changées, sont transformées. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement. Le salut, c'est quoi? En visitant notre site web www.paindevie.org. Et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'Évangéliste Mario Massicante qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électroniques. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site Web au www.peindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran. Vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.